Pour le second rang, on va alterner les motifs. Donc on commence par glisser la première maille et ensuite quand on voit un V, on fait une maille en point envers. Et quand on voit une petite vague, on fait une maille en point endroit. Ce qui fait que au-dessus d'un V, on va avoir une vague et au-dessus d'une vague, on va avoir un V. Et on continue en alternant tout le rang. Donc envers, endroit, envers, endroit.